Et bien les amis, on se retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, on va tester ce format de vidéo. Tout simplement, aujourd'hui, vidéo consacrée à un roi, et n'est pas n'importe lequel, le roi d'Espagne. Et je parle bien sûr du MOC de cette équipe, il s'agit bien sûr de Santi Cazorla. On voit les amis, le roi d'Espagne, le roi de cette équipe, le fameux Santi Cazorla. 87 de dribble, 85 de passe, 73 de vitesse, 78 de tir, 64 de physique, 5 étoiles de mauvais pied, 4 étoiles en geste technique, 14 matchs, 12 buts et 9 passes décisives. Voilà mes amis, on lance un match. Eh bien, on a trouvé un adversaire, c'est parti, on a le maillot du PSV Eindhoven, c'est parti, en plus il y a Santi Cazorla. Petite image à votre gauche et on tombe face à une très belle équipe mix Serie A italienne avec un très bon duo d'attaquants Giovinco Insigne et bien sûr Mario Balotelli. Une défense aussi intéressante de Chiglio, on a du Rudiger, Marquinhos au cash, bref une très très belle équipe, j'espère que ça va bien se passer. Et aujourd'hui on est là pour le roi d'Espagne, monsieur Santi Cazorla. Voilà, Santi tranquillement au terrain avec Ramirez qui décale. Yannick Bolasie, c'est parti, on accélère. On va essayer de rentrer dans l'axe. On sert Santi Cazorla la fois. Oh non. Ah non, t'as pas le droit, Moussa Soko, de niquer des occasions comme ça. C'est plutôt Kurzuma. Santi dans la surface. Face à Rudiger. Tranquillement. Le pied gauche de Santi. L'arrêt du gardien. Oh, encore une nouvelle fois Santi. Hein. Et Juan Mata qui déborde de son côté. Tranquillement, Juan Mata qui joue avec Ramirez. Ramirez, tranquillement, Randon pour Moussa Sissoko. On va chercher. Hop, ouais, Santi qui est là, Santi qui passe par là et Santi qui marque. Voilà les amis, tranquillement, Santi Cazorla est toujours là. Au bon moment, au bon endroit, quand il le faut. Et on mène 1-0 grâce au roi d'Espagne, monsieur Santi Cazorla. Hop, Santi, tranquillement, avec Yannick Bolasie, ça c'est bien joué ça. Ça c'est bien joué, on la remet par devant et oh, Santi Cazorla qui bute une nouvelle fois sur le gardien. Et la tête de Santi Cazorla pour Randon qui tente le lob. Ouh, c'était bien tenté ça. Eh bien les amis, c'est la mi-temps, on mène 1-0 grâce à un but du roi d'Espagne, monsieur Santi Cazorla. Match assez équilibré dans l'ensemble, même si on domine un petit peu plus. Du côté des tirs et de la possession, 6 tirs pour nous, 4 cadrés, 3 pour l'adversaire et seulement 2 cadrés. La possession, c'est quasiment du 60-40, voilà. On mène tranquillement 1-0 en cette première période. Oh, c'est contré. Et ouais, les amis, l'adversaire a rage quitté, du coup, je vais pas vous laisser sur ça hein, quand même. C'est pas forcément intéressant pour vous, seulement quelques actions et un seul but de Santi Cazorla. On va basculer tout simplement sur un deuxième match, voilà, dans cette petite vidéo consacrée au roi d'Espagne. Et deuxième match trouvé, les amis, on va affronter une Bepel avec un Brice Djadjadj qui s'est perdu, une défense. Il y a du Vorm, il y a du Stones, du Montréal, du Denazar en prêt, du Diway. Comment il s'appelle aussi Lalana, pardon, Chan Delefeu, et bien sûr en pointe le buteur de Liverpool, l'ancien joueur de Lille, Divock Origi. C'est parti les amis pour ce second match. Tranquillement, et le départ de Yannick Bolasie, on a vu la fusée de Crystal Palace. On va rentrer dans l'axe, on va rentrer dans l'axe tranquillement. On sert notre ami Santi Cazorla, tac tac. On la remet à Santi Cazorla et la finition, bien joué, ça en bute sur le gardien, dommage. Allez, là on a une belle action. Belle action de contre. Ça lance tranquillement Randon. Hop, on la remet. On va servir Juan Mata. Juan Mata qui est servi. Qui est servi par Santi Cazorla. Hop, on décale. Santi qui récupère l'agilité de Santi Cazorla. Mais quel arrêt du gardien. Allez, on va jouer là. Sissoko. Ah, voilà, si. Passez. Bonne la passe. Sissoko qui récupère pour Santi au milieu de terrain. Santi, on enroule avec Santi Cazorla. Encore une nouvelle fois le gardien et ses parades. Hein. Voilà, bien joué ça. Bien joué pour Santi Cazorla, la petite faute. La petite faute sur Santi Cazorla, les amis. 42e, juste avant la mi-temps, on a un très bon coup franc là qui peut aller au fond. Hein. Qui peut aller au fond avec Santi Cazorla. Qui tire. Non, c'est dégueulasse, les mecs qui font ça, c'est chiant. Eh bien, les amis, c'est la mi-temps. Écoutez, score de parité 0-0. On a quand même quelques occasions.
Je vous mets tout ce qui se passe avec Santi, tout ce qui est offensif. On a failli marquer sur le coup de pied arrêté, notamment juste avant la mi-temps. Mais l'adversaire a mis un joueur sur la ligne qui a sauvé le but. En tout cas, 0-0, mais ça annonce de bon augure pour cette seconde période. C'est parti. Et l'agilité de Santi. L'agilité de Santi Cazorla. Oui, magnifique. Magnifique but de Santi Cazorla. Ouais, les amis, hein, je vous dis pas des conneries. Hein, c'est bien le roi d'Espagne, ce joueur. Il est franchement énormissime. Regardez, l'agilité, il est pas très grand, pas très physique, mais l'agilité est au rendez-vous tranquillement. C'est mine deux joueurs et la grosse frappe tranquillement qui rebondit juste avant de rentrer dans la cage. On mène 1-0 grâce au roi d'Espagne. Et Moreno, on passe. Santi Cazorla, toujours. Faut toujours passer par Santi Cazorla. C'est lui qui alimente tous les premiers ballons. Et dès que les premiers ballons sont partis, bah, ça fait mouche à chaque fois après. Santi Cazorla à la surface. Ouh, le gros tir. Là, par contre, j'ai mal tiré. Trop sur le gardien. Allez. Là, c'est peut-être la dernière occasion du match. C'est peut-être la dernière occasion du match. Santi Cazorla qui dédouble tranquillement avec Ramirez. Ramirez qui la remet à Santi Cazorla. Et l'arbitre qui nique l'action, ce bâtard. En tout cas, victoire, les amis. Ça fait plaisir. Victoire 1-0. Un but de Santi Cazorla. Voilà. Donc, j'espère vraiment que ce genre de petite vidéo va vous plaire. Tout simplement que je m'explique. Voilà, j'ai pas expliqué le but de la vidéo, mais je vous explique enfin. Voilà, je fais à l'envers aujourd'hui. J'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire. En gros, elle consiste de temps en temps, quand t'es un joueur qui, franchement, que je trouve vraiment bon, un petit coup de cœur, bah voilà, faire une petite vidéo avec lui et trouver toujours un, on va dire, un truc en rapport avec sa nationalité, son club, son attitude. Bref, là, c'est un petit casseur là, j'ai pensé Espagne, j'ai pensé, tiens, quand on est en Espagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un roi, boum, le roi d'Espagne, voilà. Donc en gros, si ça vous plaît, les amis, cette petite série, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va bien sûr rester en fond pour vous montrer la carte de Santi Cazorla une dernière fois. Donc voilà, c'est vraiment une petite série détente de temps en temps. Quand il y a un joueur vraiment que je trouve extraordinaire, et bah boum, je vous le fais en vidéo. Je trouve un petit nom d'accroche, un titre d'accroche, et c'est parti. Voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. Testez-moi ce Santi Cazorla, franchement, il vaut le détour. Regardez, 16 matchs, 14 buts et 9 passes décisives pour un MOC, c'est franchement abusé. Sachant que c'est des buts FIFA, donc on n'est pas forcément à notre niveau au max, tout simplement. Et surtout qu'on est en division 7 quand même, je fais pas des matchs contre ordinateur, ni en match simple. Bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un maximum de pouces bleus et je vous dis à la prochaine. Tout simplement, à demain. Allez, bye bye. On bascule sur l'équipe la plus chère, elle coûte quasiment 700 000 crédits, principalement grâce à l'ailier gauche. Hein. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo pack opening, enfin une des dernières. J'ai packé Monsieur Ney Ney. La musique Watch Me Ney Ney, bah, c'est Neymar qui l'a inventé, tout simplement.